Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfan pour un nouvel épisode de Donjon de Nullbuck. C'est un café que vous avez entendu, hein. Alors, je voulais parler vite fait au troll. Voir si maintenant il allait se dire quelque chose. Je vous conseille d'éviter les maraudeurs. Ils sont parfois dangereux avec les gens inexpérimentés ou mal armés. Comment ils nous causent le gros tas? Les conseils de survie. De toute façon, ils se cachent le plus. Si on les croise, on leur pourrira ouais, la face. Ouais, ok, c'est le... Une porte à verrou aussi. Bon, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Merci. Rien de plus, ok. Oh. Si, rien de neuf. Retour, les jardins. Ah, ma souris qui est en train de déconner. Encore. Au lieu de faire des doubles clics, ça y est, là, elle est en phase, je veux plus cliquer. Ouais, vraiment que je change de souris. Oh, faut vraiment que je change de souris, mais je suis en train de vous build un JDR IRL pour 2024 qui est un peu coûteux quoi. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Oui, c'est ça, je peux passer juste par les deux, c'est pour ça. On peut faire un crochet aussi pour aller faire des courses. Voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'elle vend des machins? Commerce. Est-ce que déjà j'ai des conneries à vendre? Bien sûr. Des brochures. Oh putain, hé. Et mal au doigt. Tac, tac, tac. Minir atelier à merguez. C'est pourtant vachement utile. La pèlerine aurait été très très bien, mais... ah, on peut attendre de voir si le voleur passe un niveau... Il l'a pas passé là encore, ça devrait pas tarder. Tunique de rempailleur de chaise en bois. Ah putain. Entre ça multiclique ou ça clique pas. Excusez-moi, je tabasse ma souris vite fait. Voilà. Voilà. Oui, bah voilà. Elle est ferme. Hein. Voilà. Super, on a oublié de regarder ce qu'elle avait. Pote de l'exécuteur, le voleur ne peut pas s'en équiper. Le solide protector. 5 de parade, 1 de protection. Mais mon voleur, il a ça, je crois. Hein. Moins zone mouvement, moins de 3 de sprint. Oui, le coureur de fond. C'est toujours les mêmes. Maraudeur sauvage, 1 de protection, 1 de constite. Ah bah, tu sais quoi, on peut comparer. Compare. Ça me donne 1 de courage. Est-ce que c'est intéressant, 1 de courage? Moi, je trouve pas ça fou. Beaucoup de trucs qu'amputent le courage, mais je trouve pas ça... Et le ranger n'a pas la compétence? Attends. Rango. Zut, c'est le foutoir là-dedans. Ouais, de ouf. Si. On peut maintenant utiliser un bouclier. Et gagne plus 5 en parade. Si, on a, hein. On a ça. Hop là, utilise s'il te plaît. La bière, c'est meilleur. On va utiliser aussi. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Commercer. Et donc, bah, acquisition d'un bouclier, c'est parti. L'argent doit circuler. Hop, toi, tu peux donc t'équiper d'un bouclier solide, protector, trappe de barque. Pour couvrir vos petits plats qui mijotent sur le feu ou protéger vos miches des tirs de flèches. Bien sûr. C'est important d'avoir du matériel multifonction. On peut pas tout avoir quand on est aventurier, donc avoir du matériel multifonction, c'est très important. Retournons à l'entrée. On va lui ramener ses œufs d'araignée à l'autre. J'aurais bien aimé la multiquette, genre, il y a des rats, on ramène des araignées, mais les araignées deviennent envahissants, faut lui ramener des gros chiens, des loups, tu vois. La multiquette très, très, très envahissante. Alors, j'ai pas où je vais. Je mette la carte à jour. C'était droite, gauche, c'était pas du tout par là, allez hop. Voilà. Nous voici avec des œufs d'araignée géantes.
c'est quand même un peu gluant. Grand merci, les amis. Vous rendez un fier service à la cause du radis biologique. Ah, c'est... Ah ouais, la cause du radis biologique, c'est prestigieux. Ouais, ben j'éviterai de le graver avec mes autres exploits dans la mine. Je m'en vais de ce pas les faire couver. Et je vais tout de suite vous donner un petit quelque chose pour vous remercier. Pas parfait. 250 balles, on prend. 490 XP pour tout le groupe. Ça, c'est plus sympa. Magicienne gagne un niveau. Oh. C'est agréable comme son. Gagne un niveau. Oh. C'est très agréable, ça, comme son. Allez, l'ogre. Je déconne. Attention, Amélie. Tu veux vraiment juste son ogre. Compétence. Avec sa couronne à oreilles de lapin, je trouve. Il fait des oreilles de lapin, c'est très drôle. De l'adresse, oui, un petit peu. Bon, ouais, ça serait surtout de l'intelligence dont on aurait besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? Elle gagne 5 en courage. Courage, c'est utile. J'ai vraiment pas l'impression. Ça fait quoi? Ah si, lui, elle, ça lui augmenterait son énergie astrale. Et son esquive. Donc ça serait vraiment pas déconnant. Elle a quoi d'autre? Gagne dans régénération de magie astrale. Gagne de la magie astrale tout court. Ah, c'est peut-être plus intéressant d'aller chercher de l'énergie astrale tout court. Plutôt que 5 ans. Ah si, ça lui augmente sa régène. Allez. D'heure en heure. De toute façon, on est parti pour jouer en groupe comme des débiles. Donc on va jouer en groupe comme des débiles. Invocation du lapin tueur. Invoque un esprit mignon mais sanguinaire pour vampiriser un ennemi. Inflige des dégâts et redonne autant de points de vie et d'énergie astrale à la magicienne. Ah, c'est pas mal. C'est rigolo ça. Portez ça, en plus ça lui inflige 100% des dégâts. Ça, ça repousse de deux cases. Ça, c'est pas mal aussi pour permettre aux potes de faire des attaques d'opportunité, mais étant donné que c'est tellement random l'efficacité des attaques d'opportunité, une boule de feu qui inflige 5 dégâts, des dégâts importants, la cible est enflammée, détruit les éléments destructibles en un seul impact. Et éclair de glace qui lui inflige de légers dégâts, donc on inflige que la moitié, ouais, mais le mec peut plus bouger et prend des dégâts en boucle. Et l'amélioration de ça, ça va être en zone? Ouais. Ouais. Ah, on pourra monter quand même à 200% de dégâts. Hein. Ah, la boule de feu, il y a quand même un petit classique hein, qui se dessine. Hein. Ça, ça va être pour... on réduit son armure, on augmente les dégâts sur un type. Ah, c'est très intéressant. Et ça, ça lui met des dégâts en boucle. Réduire sa protection, c'est presque plus sympa. 160% de dégâts. Ah, c'est plus intéressant ça. Donc on pourrait aller chercher un bon gros sort de zone. On nerf les dégâts, mais on prend une deuxième gifle de Namzar en gros en zone. A voir. A voir parce que tous en tir individuel, ils ont l'air énervés. Hein. Énervés. La cible est alors gelée. Gelée, j'aime bien. Hein. J'aime bien le concept. Mais on va aller chercher une boule de feu. On va lui chercher un peu de dégâts. Dégâts. Très bien. Et le barbare. De l'adresse. Ah, rien d'autre. Rien à foutre, juste de l'adresse. J'en ai marre que tu sois nul, mec. Gagne 20 en endu, ça c'est pas mal. Adjacente à la magicienne, il gagne 4 en impact. C'est vrai que du coup, t'es assez souvent par l'affaiblissement quand il perd des points de vie. Ouais. Dans l'arc, on en a rien à foutre. 1% de chance de coup critique. Ouais, c'est bon. Ouais. 20% de chance d'être étourdi, ça c'est pas mal. Mais on va augmenter son endu parce qu'on en a vraiment. Souffre vraiment. Et. Attends, ça c'était quoi? On est plus affecté hein, quand il perd des points de vie. De plus, il y a 50%. Donc il a moins de 50% de survie, il gagne 5 en impact. Ah, ok, c'est la rage du barbare. Ou la peau dure. Okay. Ah, pas mal, ça, c'est intéressant à développer. C'est du coup assez intéressant à développer, mais on est tellement en galère d'endu du coup qu'on va le monter. Et le problème, c'est que vu que j'augmente pas son endurance, s'il prend de 20 d'endurance quand même, ouais, je sais pas si ce sera suffisant parce que c'est consommateur ça. Hein. 70, on descend à 140 une fois qu'il a utilisé les deux. Ouais, donc on a. Faut qu'on meule. Et là, en plus, il va prendre une nouvelle attaque. Donc, la baffe amicale, une claque qui augmente les dégâts infligés par l'allié ciblé. Ok. Et le force à jouer en premier au prochain tour. Ah, un petit contrôle sympa. Hein.
Mais tu mets 3 à 6 dégâts à un pote, ce qui m'intéresse pas. Tire à la... Ouais, c'est de la merde. Attends, on va quand même regarder. Portée 6, 130% de dégâts. Tire de bourrin. Ouais, 130% de dégâts, c'est pas dégueulasse, mais bon, il a quand même l'arc le plus pourri du groupe, donc on s'en fout. Un coup d'épée suivi d'un cri de guerre terrifiant, la cible est effrayée. Ouais, si tu veux, ouais. Attendez, on a quand même un petit coup de latte qui se cache ici. Repousser la cible. La cible est repoussée de 2 cases. C'est intéressant ça pour créer un coup d'épée. Ouais, allez, on va aller chercher le coup d'épée. Maintenant, allez, 14 d'adresse, maintenant ça devrait toucher. On va arrêter le cinéma à un moment donné. Hein. Allez, allons rendre une nouvelle quête. Est-ce que c'est un épisode sur lequel on va pas se faire gifler? Ne rêvons pas. Moi, je pense qu'on peut se prendre des gifles. Santé, YouTube. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Certes. Allez, allons explorer toutes les autres pièces. Je suis sûr qu'il y a une pièce toute pétée qu'on n'a pas explorée qui aurait permis d'ouvrir une des grilles là, de raccourci. C'est certain. C'est marrant, on n'a pas eu le groupe de l'orc là. Je crois que c'est Tommy, je sais plus quoi. Et on est allé voir cette. Ah oui, c'est des latrines. On passe beaucoup de temps dans nos latrines dans ce jeu, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. On leur a bien niqué leur concert de métal. Je suis un abruti terminé. J'ai appuyé sur caps lock au lieu d'appuyer sur le gong. Quel crétin. Ah putain, par contre lui je l'avais pas vu. Ok. Porte-retour activé. Oh, il y a des choses derrière. On peut pas accéder là? Non, c'est pas ça. Je vous jure, un jour, je vais y arriver. Bon, on se fait vite fait un petit changement d'étage. Histoire de régler à tout jamais ce problème de piège. Récupérer l'XP et le matos. Je sais, c'est moche de devoir faire ça, mais... Il faut le faire tant que c'est frais, ça évite les problèmes. Les poulets. Les mobs sont si forts dans le jeu. Polo polo polo. C'est bon, ce coup-ci je me suis pas planté. Cette fois on est bon, hein. La bonne touche. Tirez sur le bon loquet. Nouvelle bombe explosive. Je crois que j'ai plus de bombe de glace. Ce serait bien qu'il me redonne de la glace un peu là. Sur le bon loquet. Ok. Bon, bah, go se faire molester après avoir pris des pièges dans la tronche. Ils sont là. Ils sont de retour. Nos sympathiques aventuriers, nos brillants candidats pour une nouvelle partie de la roue de l'infortune.
Jim ? Le voilà, cette raclure de hache. Cette fois, il est fait comme un rat. Ouais, on va le savater. Attention, la roue est encore là. Approchez, approchez, n'ayez pas peur. La mort n'est que le recommencement et la promesse d'une boucle sans fin dans le donjon de Nalbuk. Une boucle ? Mais de quoi il parle ? C'est sans doute en rapport avec la malédiction. Assez parlé, il faut massacrer cette vermine. Oh non, dommage. J'allais dire plus tard, on commence si proche, je vais lui péter sa gueule tout de suite. Vinkilux et Victoria. Tu es Victoria. Ok, d'accord. On sait pas qui c'est, on sait pas pourquoi on doit lui péter sa gueule à elle. Je dirais très objectivement que très probablement parce que c'est une femme. Je n'ai pas d'autre excuse. Bah mon nain il va aller tout droit. Hein. On va pas discuter pendant 107 ans. Ah oui, tout le monde est amoché du coup. Excellent. Excellent. Un ogre par ici. Une sorcière par là. Un ranger par ici. Et une nana par là. Et une elfette par de là. Et un voleur juste ici. Let's go. Tous les ennemis gagnent peau de pierre. Donc plus 5 je crois en protection. Le goût du jeu. Je sais pas ça fait quoi le goût du jeu. On peut savoir, clic droit. Comment on fait déjà pour avoir les infos sur les ennemis dans ce jeu? Bon, on sait pas. On ne sait pas ici, on ne sait plus. Soigner des gens. On est tous amochés. Serre les dents. On soigne d'abord, évidemment, nos healers. On va peut-être progresser avec cette ligne-là, c'est pas déconnant. Salut. Salut. Oh non! Oh non! Non, c'est dégueulasse ça! Voilà, c'est ça. Ça, c'est dégueulasse. C'est ce que je disais. Eux, on s'en fout. Enfin, eux, ils vont cogner fort, mais. J'ai envie de dire, c'est presque tout ce qu'ils vont faire. Ce qui est déjà pas mal. Aïe! Aïe! Ok, ok. Ah, j'ai oublié de lui régène un truc. Ah, bah, super. Tu sais quoi? Tire-moi là-dedans. Eh bien, je prends l'antenne, mes chers auditeurs. Je vais démêler cette affaire avec Aureliane. Quoi? J'ai même pas vu ce qu'il m'a fait. Mais il m'a rendu des points de vie. Je sais même pas s'ils m'ont enlevé ou pas, je sais... pas la moindre idée, taper là-dedans, allez. Togas, voilà. Voilà. Ma fifi, allez, s'il te plaît, soigne un ranger, merci. On va faire des boulettes là, parce que déjà avec ma souris elle est raide comme la justice. Donc on va bien souffrir. Oh la grosse caisse de poison contre laquelle je suis appuyé. Je ne vous dis que ça. Voilà. Non, on va rester comme ça. Ah, il a une grenade aussi. Ah oui, non, il lance des chopes. Oh, j'ai pété un plomb, j'allais dire non, c'est une blague là. C'est un nain. Alors, c'est un nain. C'est un nain. C'est un nain un peu exposé au danger. Voilà, alors ça libérerait des poules, ce serait assez drôle. Voilà. J'ai libéré des poules. Ça peut être très drôle et ça peut les occuper. Il va me lancer encore une chope. Putain, c'est un sup.
Celui-là, je pense qu'on va le péter très vite. De toute façon, je peux même pas l'utiliser. Je ne suis pas là. Détruire. C'est sérieux. Pas ça. Tu vas pas me prendre un. Tu vas pas me prendre un barbare dans ton. Il m'a pris un barbare dans son équipe. J'ai pas du tout le dévot. J'ai pas du tout le dévot. Ok, d'accord. Le courage, c'est l'initiative. Ah, je vais prendre une attaque si jamais je fais ça. 71% de chance, 96%, 96% je prends. Bute-moi cette ordure. Zom cassé. Putain, ils ont foutu mon barbare. Oh, je suis dans la merde. Avec Gorzin, on est pas sur les tâches. Putain, c'est un sup. Le mec qui a une portée infinie, c'est assez insupportable. Ok, je suis très très embêté. Tous les autres vont tenir, mais moi il faut absolument que je reste sur le coup. Ah, j'ai pas pris de poison du coup. Ok, j'ai pas de poison. Je vais me mettre comme ça. Mon elfe, si elle bouge, elle est morte. C'est le moment de s'envoyer une petite popo, ma fille. Alors, elle est immunisée au poison. Pas bon goût, les potions. Mais pas aux gifles. Ah oui, surtout qu'il y a toujours l'autre qui est en position de tir. Ouais, ouais, vous êtes en train d'énerver mon ogre. Alors, est-ce que tu peux me dégager ça par pitié, je t'en supplie. Ah, ça bougera pas, d'accord. Intéressant. Maître nain, tout repose sur vous, maître nain. Feu là-dedans. Tiens. Même pas mal. Et tu bouges pas. Rivastak. Ok. Elle a 270 points de vie, il n'y a absolument aucun avis. Elle a plus de points de vie qu'un ogre.
coups de bouclier dans le nez qui assomme les gens. Moi, je suis très d'accord. Et ici, assomme-moi ce connard. Il en a eu rien à foutre, évidemment. Aïe ! J'ai un barbare qui a pas besoin de bouger pour molester ce connard au sol. Bon, ça, mauviette. 89% de chance de glisser. 61% de chance de glisser. Vous connaissez la blague de l'orque bourré ? On peut être bourrin et subtil avec du rodil. Ah. 62% de chance, 87% de chance, c'est tout. Moi, je lui fais zebi dégâts, cette connasse. Je fais absolument aucun dégât. Mais soit, viens ici. Tant pis, je m'éloigne de... Ah, j'ai 8% de chance de toucher le nain. Bah, vas-y quand même, hein. Bahadur. Aïe. Mon elfette, je l'aurais bien éloigné, hein, mais tu vas te manger une attaque d'opportunité comme jamais. Mais vas-y, il va falloir t'éloigner quand même. Tatania, c'est les esquives, c'est quand ça vous arrange, hein. Y a pas à tortiller du fion. 89%, moi j'aimerais que tu restes là-dedans. L'autre chose qui me ferait bien rire, ça serait du bon gros dégât là-dedans. Allez, vas-y. Il a toutes les attaques de zone, cet enfoiré. Et il me colle mon elfette. J'hallucine. Ça va me rendre dingue. Ça va me rendre cinglé. Ça va me rendre mazette. Est-ce que tu veux bien me foutre cette connasse par terre ? Merci, maître nain. Je vais avoir très vite un très gros problème de points de vie. Ça, il faut l'empoisonner parce qu'il n'y a que sur lui que ça va faire vraiment du dégât. Hein. Cavale. Cavale, assassiner le gobelin, vite. Il faut qu'ils crèvent tous. Ah, des renforts, non, c'est une blague. Sera content. Ah, je suis une savonnette. Ouais, non mais t'as combien de points de vie? 230 PV. Prends peur déjà, s'il te plaît. Résistance magique, ouais, il en a rien à foutre. Oui, à peu près. Quoi? On efface toutes les tâches. Oh l'enfoiré, eh ben, je vais perdre tout mon groupe. Hein. Tout le groupe va tomber en miettes direct. Faut absolument ramener le ranger, puisque le ranger c'est un healer. Et puis toi, ma fille, bah soit tu restes bloqué ici, soit tant pis, tu cavales te cacher à l'autre bout du monde, mais ça veut dire que tu vas manger tonnes d'attaques d'opportunités. Allez! Elle est morte. Putain, elle est incapable d'esquiver quoi que ce soit, elle est vraiment débile.
Putain, qu'est-ce qu'elle est blonde. Des torgnoles et des panzani. Voilà. Elle a plus qu'à taper, hein. Ah, ça pourrait le... Sinon, je pourrais faire ça aussi. Coup crit. Ça l'a pas tué, pute. Je vais me sortir du poison, quand même. Terminé, fini, hors combat. Putain, ma sorcière est déjà hors combat. Oh, secours, putain de moi. Alors, le seul avantage dans cette histoire, c'est que j'ai encore un voleur qui est à peu près vivant. Dès que les renforts vont arriver, il sera crevé. Putain, mais ils ont tellement de PV, quoi. Ah non, tu m'emmerdes avec ton volontaire dans le public, hein. Vraiment, hein. Alors, on va dire que le seul côté positif, c'est que ça régène mon barbare, mais même pas, puisque ça lui donne. Je te lève, mon grand. Parfait, formidable. J'ai une excellente nouvelle, tu peux plus relever la sorcière. Serre les dents. Putain, je passe juste mes tours à essayer de rester debout, hein. C'est vraiment... est-ce que je le passe sur toi? Est-ce que je le passe sur le nain? Ouais, non, je vais le passer sur mon nain. Du coup, ils ignorent le poison. Ça les met bien, hein. Je vais démêler cette affaire avec l'Aureliane. Eh ben, on se prend une belle petite dérouillée des familles. Tu vas rester dans le poison parce que tu ne crains pas le poison. Tu vas me shooter cette connasse, ça la tuera même pas. Donc, je vais prendre une action supplémentaire maintenant. Parce que je veux être sûr qu'elle crève. Voilà. Ça. Un coup critique sur un truc qui a 3 points de vie, merci. Hein. Merci bien d'aller te faire enculer. Hein. Comme que ça va bien. Non, ça va infliger des dégâts à mon voleur, ça m'intéresse pas. J'ai que 65% de chance de te toucher. Crotte-moi là-dessus, là. Blurp. Voilà. Et bah, pas bouger, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah ouais, avec le poison en plus, bah le nain est foutu. Oh là là, super. Je crois qu'ils ont réussi aussi à m'empoisonner le voleur. Allez, une petite balle qui one shot. Ils sont tous devenus furtifs, c'est pas beau ça? Bah, sauf ceux qui nous sont collés aux clous, bien sûr.
Moi, il me reste des PV. Il faut absolument que j'aille jusqu'au nain. Voilà. Le nain, ça le remet pas d'aplomb. On s'en fout. Oh bah vas-y, hein, grosse popo dans le nain. La bière, c'est meilleur. Mais putain, alors. Hein. Excusez-moi. Ah, c'est un peu agaçant. Agaçant. Est-ce que vous m'avez entendu dire agaçant? Coucou. Baston sur ce connard. Alors ça le tue pas et j'ai presque envie de taper. Alors. Mais sauf que si je prends ma potion, après je peux rien faire d'autre. Avec Gorzin, on est pas sur la tâche. Ah, il est en berserk en plus. Non, mais il a une précision, cet enculé, mais c'est pitié, quoi. Mais les persos du jeu, ils sont craqués. Alors, je sais pas, ils ont des niveaux que j'ai pas. Le problème, c'est que bah, ils sont bien mignons, le jeu, mais... T'es bien mignon, mais je peux pas faire plus de quêtes que toutes les quêtes optionnelles, en fait. Moi, je veux bien, hein, mais... Soit tu me dis, tant pis, j'ai mal monté mes persos et je peux plus rien faire. Il me reste plus que mon ogre et mon barbare. Et incessamment sur peu, il restera plus que le barbare tout court. Cassé, besoin d'aide. Et bah c'est un échec, hein. On est bien mort. Hein. J'avais bien dit qu'on allait se prendre une branlée, ça a pas loupé. Et oui, dormir dans le poison, c'est pas très pratique. Non, ça poutre pas, ça touche pas. Hein. Et le poison va même pas achever tous ces connards, quoi. Allez, je suis au close contre la brute. C'est horrible. Le rogre, il aura joué tout seul tout le long, il aura tout touché, il aura tout cogné, tout tabassé. Hein. C'est vraiment... Quel plaisir, quoi. Massacrons-les! Si je déplace mon barbare, il est mort en fait là. Le truc c'est qu'il faudrait que j'aille quand même jusqu'à ce gobelin stupide. Parce que si je le tue, officiellement j'ai gagné. Hein. Et je pourrais jamais l'attendre. Des orques, par Chrome, on va leur latter la gueule. Bah ouais, je te crois, ouais. Ouais, moi je veux bien te croire. Hein. Ah, je veux bien te croire que t'arrives jusque là sans crever. Hein. Moi, je suis d'accord, hein, avec absolument aucune compétence rechargée. Je peux raise une elfe.
grâce à mes échecs critiques. Et puis, vas-y, on veut pouvoir croire en Dieu avec tes tranchons. Ah, quoi, qu'est-ce que je peux le taper, là, à travers ça? Non, je peux pas, hein. Ah, ça serait beau. J'ai envie de tester, mais je crois pas qu'on peut. Oui, sur ce, c'est joli, si tu veux. S'en fout. Ouais, ok. Déjà, t'es mort, là? Oui. Non, mais l'autre, il a une adresse. Je vois même pas pourquoi... voilà, c'est... Je vois même pas pourquoi j'essaye, leur ogre c'est un champion. Leur ogre est si fort. J'aimerais voir ses stats à lui. Hein. Il a pas raté une gifle. Alors qu'il joue tout seul. Hein. Il fait des dégâts de monstre. Il a un bon mouvement. Donc ça veut dire qu'il a une très bonne adresse. Il est beaucoup trop fort. Ah oui, bah je peux rien faire. Ah si, tu peux tuer ce truc là, vas-y. Voilà. Et j'ai gagné 15 points de vie en tuant ce truc. Eh bien, je prends l'antenne, mes chers auditeurs. Je vais démêler cette affaire avec l'Aureliane. Ouais. On met mon ogre debout. Avec un peu de chance, il va aggro. Je prends une attaque d'opportunité, j'ai pas du tout envie. Let's go. J'ai tellement aimé avoir une action en plus là. Zone cassée. Oh, à moi. Ah, je me sens pas bien. Bienvenue. Placé comme ils sont, je peux même pas forcer un passage pour essayer d'aller tabasser l'autre connard. C'est même pas possible. Non mais quand tu te fais même casser la gueule par des mages. Hein. Non, c'est une blague. J'avais besoin qu'il reste debout pour pouvoir gagner. Oh, c'est un fucking supportable. Bah oui, ouais, bah super, il est mort. Bon bah, j'aurais fait tout ce que j'ai pu, le jeu n'a pas voulu. Voilà. Parce que là, clairement, on peut dire, le jeu n'a pas voulu. Ça marche bien, hein, y a pas de souci. Hein. Ouais, bah va jusque là, si tu survis, tant mieux, hein, sinon... raté, ça touche. Et ça tue pas. Ok. Ah ouais, j'ai plus de move. Ah bah oui. Ouais, j'ai plus de move. Ah, c'est la fin. Oh, c'est une esquive. Ah non, me dis pas que je vais mourir savaté par un mage. Non, là c'est quand même honteux. C'est honteux. Pas savaté par un mage quand même. Non, alors ça va. Je suis pas fait taper dessus par un mage. Enfin, je suis pas mort de mage. Ah, tranche tendon, quel plaisir. En plus, le gobelin va jouer, il va pouvoir bouger. Putain, je vais mourir en bougeant. Mais vraiment, au secours. Je suis mort par un mage. Défaite. Eh ben, il n'y aura plus qu'à recommencer le combat. Voilà. Il n'y aura plus qu'à recommencer le combat. Je vous remercie, c'était Gnafonk sur Comme d'habitude Gaming pour le donjon de Nullbuck et on s'est pris une sacrée branlée. Et bisous.